l'hydrocarbure là. Regardez. Là. Ah ouais. Là l'hydrocarbure. Regardez, regardez. Là. Là on voit. Ah oui, ça là là, ça c'est de l'ivoué. Ah oui, ça là là. Ça c'est dangereux celui-là. C'est pour ça que la vie de fait devient avec Dégo. C'est l'association environnementale Popoaden qui coordonne le ramassage des déchets du Kea Trader sur la commune. Elle a souhaité agrandir la zone de nettoyage et se rendre ainsi sur les îlots situés en face de Point d'Imé. Quelques grammes d'hydrocarbures et plus de 15 kg de mousse sont récupérés ce jour-là. Autre découverte, deux oiseaux marins visiblement mal en point retrouvés sur la plage. Là, on ne voit pas qu'il y a l'aile qui est cassée, il n'y a rien. Pour toi, c'est une star. Ça, je ne sais pas si c'est une star de Nouvelle-Zélande ou bien d'Australie. Mais moi, je m'inquiète beaucoup pour. Parce que là, ça sera bientôt la pointe des tortues. Comme les tortues, ils disent que tu vois les pochons. Ils disent que c'est, pour eux, c'est des méduses. Mais je ne sais pas, les oiseaux, ils doivent voir ça, ils doivent nous dire que c'est quoi. La société en charge de la collecte rémunère à hauteur de 1200 francs pacifiques de l'heure. Près de 1000 personnes auraient participé au ramassage des débris du Kea Trader depuis son échouement. Ici, pour ramasser, l'association Popoaden a mobilisé les habitants des tribus les plus concernées par la pollution. J'ai une équipe pour le nord de Point d'Imé, une autre pour le sud, en fonction des tribus, etc. Et après, ils font en sorte de se partager au mieux le boulot. C'est eux qui connaissent aussi les zones, le littoral, donc ils connaissent les accès. Donc voilà, tout le monde est, on va dire, est gagnant, malgré cette pollution qui impacte les côtes calédoniennes. Donc là, pour cette poche, on est à 1850 grammes, 1,850 kg. Plus de 15 tonnes de débris tout confondus ont été ramassés sur l'ensemble du territoire depuis décembre 2017. Le coût total de la main-d'œuvre au ramassage est déjà estimé à la somme de 20 millions de francs.